Cette nuit, il y a eu du vent, tellement de vent que les chaises sont tombées de la terrasse. D'ailleurs, il est tôt, il doit être 7h40 étant donné que je vais prendre mon bus. Mais je voulais juste remercier vraiment beaucoup les personnes qui regardent chaque jour les vidéos. Les personnes que je connais, les personnes que je connais pas et les personnes qui commentent aussi tout le temps parce que je vous reconnais aussi. Donc c'est très 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 gentil, c'est très mignon aussi. Et puis merci pour ceux qui like toujours, ça fait beaucoup. Le 11e vlogmas d'aujourd'hui et j'avais juste envie de dire merci. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Sapin 2.0. Voilà, le sapin est prêt. Du coup, hier la vidéo durait en fait 10 minutes et je l'ai raccourci à 4 minutes parce qu'il y avait 5 minutes ou 6 minutes de les coulisses d'IM Short. Donc je sais pas si ça intéresserait quelque chose, je l'ai dit hier sur Instagram, donc je vous mettrai mon Instagram là. Je m'étais dit que si un jour j'avais vraiment rien filmé et que ou ma journée était vraiment nulle de chez nulle, bah, du coup je posterais peut-être ça. Ou le vlog déménagement qui doit encore arriver aussi. Et puis à part ça, je voulais juste vous poser la question du jour. Donc, quel super pouvoir aimerais-tu avoir? J'ai toujours rêvé d'avoir, de pouvoir me déplacer en claquant des doigts. La téléportation. Qu'est-ce que j'adorerais avoir ça? Dites-moi ça en commentaire. J'ai essayé de vous chercher un miroir. Bon, ils ont mis une affiche, donc tant pis. Mais juste pour vous montrer mon outfit. Bottines Zara Kids Homme, Zara Kids Boys et ma combi vient de chez Bershka. Et puis me voilà avec la belle veste que j'ai reçue deuxième main de ma cousine. Regardez-moi l'énorme sapin. C'est un vrai, j'adore les grands sapins. Je suis quand même la spécialiste. Je me suis coupée, ça fait super mal. Bref, j'ai reçu. J'ai été à un petit rendez-vous ailleurs et j'ai reçu ça comme cadeau. Allez, ouvre-toi. Oh, encore du chocolat. Ouh, c'est encore flou, hein. Il est 6h, je viens de sortir du boulot. Et là, je vais rejoindre mon papa à l'appart. En fait, il est en train de changer les robinets, donc je vais le rejoindre là-bas. Et je vous montre tout ça. Le vlog 3 d'ailleurs, le vlog déménagement 3. Devrait pas tarder, je vais juste encore un peu faufiner pour que j'arrive à 10 minutes pour pouvoir le compléter et le mettre sur YouTube. Dites-moi, c'est pas l'endroit idéal pour faire des outfits of the day? Vous en auriez beaucoup une fois que je suis ici. Mais devinez qui filme dans l'appartement. En fait, vous verrez le vlog numéro 3 en ligne et vous verrez tous les travaux qu'on a déjà fait. En fait, le living il est terminé, mais les fauteuils là sont encore emballés. Mais vous verrez tout ça. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Bref, je pense que le vlog va être assez long pour aujourd'hui. Je vais rentrer, on va manger. Et donc je vais vous dire au revoir dans ce magnifique appartement. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Et bibiscus. D'ailleurs, j'avais oublié de dire que dans le vlog, j'étais en mode... pas contente parce que ça donnait pas comme j'avais envie, mais en fin de compte quand tu reviens et que tu revois tout ça, c'est quand même pas mal. Mais j'expliquerai tout ça dans le vlog.